cette cérémonie aujourd'hui, si vous voulez, ce soir, elle est un petit peu particulière. C'est la toute première cérémonie de remise des diplômes de l'école Hexagone. Donc c'est la promotion 2022. Nous avons nos 18 premiers étudiants diplômés qui ont terminé notre cursus. Donc évidemment, elle est pleine d'émotions parce qu'on retrouve nos étudiants qui sont maintenant pleinement dans la vie active, leur famille, nos partenaires, nos amis. Alors évidemment, c'est plein d'émotions, si vous voulez, qu'on peut partager tous ensemble et on fête leur réussite académique. Alors, je vous propose d'accueillir Sébastien Dérine, président de l'école Hexagone. Les valeurs de l'école Hexagone, elles sont primordiales pour nous, elles sont même cardinales. C'est d'abord la qualité. La qualité, on la retrouve dans les enseignements avec des consultants formateurs qui sont triés sur le volet. L'innovation. Et puis enfin, en toile de fond, il y a la souveraineté numérique qui nous est si chère et dont on a absolument besoin pour le pays. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans ce magnifique palais des congrès de Versailles. Au fond, notre ligne de conduite se résume à la définition de Philippe Séguin. On est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à moitié. La souveraineté est par essence un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. C'est notre philosophie et vous comprenez pourquoi avec Pierre-Yves et Stormshield, nous nous sommes si bien trouvés. Alors, c'est être parrain d'une promotion d'école et lui donner son nom, c'est une fierté, c'est beaucoup d'honneur. C'est une responsabilité aussi, le rôle de parrain, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel, il y a beaucoup de choses que l'on retrouve, à savoir un devoir d'accompagnement, de conseils, de bienveillance. On a 18 lauréats ce soir, moi, qui m'ont impressionné par leur maturité, ne serait-ce que sur scène. Donc leur avenir, je le vois, ma foi, brillant, parce que ce soit en entreprise pour s'occuper de la cybersécurité d'une entreprise ou que ce soit chez un éditeur comme Stormshield pour concevoir des produits, pour les imaginer, ils ont le monde qui s'ouvre à eux et ils ont choisi la bonne voie. En tout cas, j'en suis convaincu. Et donc, si je peux aujourd'hui, modestement, vous promulguer quelques conseils, formuler quelques conseils, ce serait de poursuivre vos envies, de poursuivre vos ambitions. Allez là où vous avez envie d'aller. Suivez vos intuitions et dites-vous que tout est atteignable à celle ou à celui qui veut bien s'en donner la peine. Je pense que sur cette voie, vous avez déjà montré où vous voulez aller. Vos limites, en fait, ce sont celles que vous vous fixerez vous-même. Ce ne sont pas celles que d'autres fixeront pour vous ou que le destin fixera. C'est à vous de fixer vos limites et si vos ambitions sont grandes, les limites seront très lointaines. On est très déterminés, on est très motivés à aller très loin. On n'est qu'au début, pour nous on est vraiment qu'au début et on a une équipe extraordinaire chez Hexagone et on veut aller vraiment très très loin à l'international. L'Assad et moi avons le privilège de travailler avec son Altesse Royale, la princesse Abir al-Saoud. En préparant la cérémonie de remise de diplôme, elle a souhaité participer. En créant le prix de l'excellence académique de l'école Hexagone et en offrant à nos 3 meilleurs étudiants un prix. Je vous propose d'appeler Vincent Lancelot avec une moyenne générale de 16,04, Alex Potini avec une moyenne générale de 16,29 et enfin Cyril Pijoujac, le major de la promotion, avec une moyenne générale de 17,65 sur 20. Quand je comparais les ingénieurs français qui travaillent avec moi à Dubaï par rapport aux ingénieurs américains, anglais, égyptiens, indiens, il y avait une grande différence. Donc ça vient peut-être du fait qu'en France, nous sommes encore très matheux et on forme des très bons esprits. L'objectif de l'école, c'est vraiment de se développer à l'international pour transmettre des valeurs fortes de l'école, pour créer des ponts culturels, humains, entre les différents pays, et pour porter haut et fort les couleurs de la France à l'international. Le rôle de l'école, c'est de former, mais surtout d'amener à réfléchir les étudiants sur leur monde, sur le monde qui les entoure. Donc ce sont de formidables experts techniques, ça nous sommes tous d'accord, hein, pas de problème. Mais ils ont aussi une connaissance économique grâce aux différents cours qu'on peut leur donner en cycle master et une véritable connaissance du monde social avec un grand S. Et donc ils comprennent que ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt du bien commun. Ce n'est pas juste pour eux, pour leur côté ou pour se faciliter la vie avec un petit peu de domotique. Ce qu'ils font, ce qu'ils créent, c'est forcément pour le bien commun. C'est ça qu'on essaye de leur faire comprendre. Cette partie de prendre en compte le monde qui nous entoure nous différencie des autres écoles d'ingénieurs, qui plus est en informatique.
Ces étudiants, ces 18 premiers diplômés, si vous voulez, ils sont appelés à mener des fonctions de responsables, d'encadrement dans les équipes informatiques. Alors, à la fois dans les PME et les ETI, qui font le cœur de l'économie française, dans les grands groupes, bien naturellement, et également dans les OIV. Les OIV, ce sont les opérateurs d'importance vitaux. Et donc, on va pouvoir retrouver les hôpitaux, les sites nucléaires, etc. On va les retrouver un petit peu partout, en fonction de leur choix et de la carrière qu'ils souhaitent mener. Ça a été top de se dire que voilà, on travaille avec avec l'avenir et pas avec ce qui est actuel ou ce qui a été passé. Voilà, on sait qu'on arrive sur le marché du travail et on va être performant instantanément parce qu'on a eu la formation adéquate, moderne, actuelle. Et ben, on veut des super profs, on a des bons profs qui ont de l'expérience, on les a eus. On a dit ce serait bien qu'on ait telle ou telle chose pour les locaux, des super fauteuils, on les a eus. En fait, c'est tout simple. On avait des besoins, en fait on avait besoin de choses, on nous l'a donné. Ça. Franchement, on s'est senti vraiment à l'aise. Il y a une convivialité qu'on ne peut pas trouver dans les autres campus, je pense. Et voilà, c'était top. Nos 18 diplômés ont déjà été embauchés avant même d'avoir leur diplôme, avant même d'entrer en stage de fin d'études. N'ayez pas peur, la France a besoin de talents dans le numérique. Elle a besoin de cybercombattants. Il faut foncer. Il y a des débouchés professionnels. Il y a des superbes carrières à saisir en France et à l'international. Venez.